Allez, le café a été pris, on est de retour avec vous, une demi-heure consacrée donc aux études supérieures. Aujourd'hui, on va être en triplex, nous allons commencer par Poitiers, puis ensuite nous nous rendrons à Limoges et nous terminerons ici à l'hôtel de région de la Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Théo, qui va-t-on rencontrer tout de suite du côté de Poitiers? Exactement, on va aller à Poitiers et bonjour à Fabrice Vigier et Amandine Courtadon. Est-ce que Fabrice et Amandine, vous nous entendez bien? Oui, on vous entend bien. Magnifique. C'est parfait. Parfait. Eh bien, peut-être commencer par vous présenter. Fabrice Vigier, vous êtes vice-président de l'Université de Poitiers, c'est bien ça? C'est bien ça. Et Amandine Courtadon... Vous avez bien résumé les choses. Parfait. Merci. Et Amandine Courtadon, vous êtes directrice de l'orientation et de l'insertion à l'Université de La Rochelle. Exactement. Exactement. Eh ben, je vais vous laisser la parole pour le coup de nous parler. Voilà, c'est le thème de cette demi-heure qu'on va passer ensemble en triplex, sur les études supérieures. Alors, qu'est-ce que, Amandine, je vais peut-être vous laisser la parole. Qu'est-ce que vous auriez à dire, sachant que cette journée est consacrée, comme c'est écrit juste derrière moi, à la première et après, bah, justement, après, qu'est-ce qui peut se passer? Oui, alors, je vais peut-être présenter un petit peu l'université, sûr, hein, et travailler sur les représentations, parce que je pense que cette émission est si dédiée aux parents. Complètement. Peut-être qu'ils ont une vision des licences et de l'université quand ils y étaient, et ça a pas mal évolué. Donc, La Rochelle Université... Alors, on ne vous entend plus, en tout cas... Nous, on les a plus dans les IR. Et 16 licences, des doubles licences, hein, une en histoire-géographie et une nouvelle qui vient de sortir en droit LEA. Et c'est 5 buts. Voilà, donc par rapport à l'université, donc c'est... une réussite aux examens hein, de près de 90%, que ce soit aussi bien en licence qu'en but. C'est une insertion professionnelle à plus de 90% pour les licences pro et les masters. Et depuis quelques années, c'est aussi la personnalisation des parcours. Super. Donc, on propose aux étudiants, quand ils arrivent après le bac, de choisir une mineure. Donc, ils arrivent, par exemple, en sciences de la vie et on va leur demander de choisir une mineure qui peut être dans leur discipline en sciences de la vie ou alors de teinter leur parcours en fonction de leurs intérêts et de leur envie. Et donc, par exemple, ça peut être une mineure d'ouverture. Donc, on peut s'ouvrir à sciences politiques. Par exemple, je suis en LEA, je veux passer des concours, eh bien, je peux prendre la mineure Sciences Po. Ça peut être une mineure numérique. Donc, je suis, par exemple, en gestion et je peux faire une mineure numérique en informatique pour travailler sur les systèmes d'information, par exemple. Ou alors, je peux être en sciences de la vie et voilà, on voit le schéma qui s'affiche. Je peux être en sciences de la vie et choisir une mineure art pour, par exemple, faire de la vulgarisation scientifique, apprendre à faire des vidéos. Si j'ai envie de plus me professionnaliser et de rencontrer des professionnels pendant toute ma licence, eh bien je peux choisir une mineure métier. Donc là, on en a plusieurs aussi. On en a une sur professeur des écoles. On en a une sur les métiers et l'économie portuaire. Une en entrepreneuriat, si on est intéressé par la création d'entreprises. Ou les métiers ferroviaires et le tourisme également. Donc, tout ça, en fait, ça s'accompagne. Hein. Donc, on a des fois l'idée que l'université, on est un peu tout seul. Eh bien, on est accompagné dès la rentrée. On a des étudiants passent des tests de positionnement. Puis, après, rencontrent un enseignant pour un entretien où ils vont identifier la mineure dans laquelle ils vont aller en fonction de leur projet. Et puis aussi, peut-être en fonction de leurs résultats, leur proposer des enseignements de remédiation, du tutorat. Et donc voilà, ou aussi des DU, parce que je veux rassurer les parents, des fois on ne sait pas ce qu'on veut faire. Hein, j'entendais la jeune fille tout à l'heure qui le disait que ce n'était pas grave. Eh bien oui, l'université propose aussi des DU, diplômes d'université, Pareo, hein, parcours réorientation, donc financé par l'État,
qui sont sur Parcoursup pour travailler le projet. Et donc, pour des jeunes, peut-être, qui ont besoin d'un peu plus de temps pour travailler leur projet, donc avec des parcours, un parcours scientifique, un parcours économique pour les maintenir à niveau, au niveau académique, mais aussi des immersions dans d'autres établissements d'enseignement supérieur, type IFSI ou BTS, lycée agricole, etc. Et également des stages en entreprise. Et on propose donc ce DU dès la rentrée et également au 1er janvier pour aussi le proposer à des jeunes qui en se rendant compte que ça ne fonctionne pas, que ça ne leur plaît pas, qu'ils puissent changer leur orientation. Parfait. Merci beaucoup. On a effectivement un tour complet de ce qui peut se passer à l'Université de La Rochelle. Merci beaucoup, Amandine Courtadon. Et j'imagine de toute manière que les étudiants de lycée, les élèves de lycée peuvent venir découvrir l'université tout simplement. Il y a certainement des journées portes ouvertes. Et donc, je les invite à regarder ce qui se passe. Fabrice Vigier, vous êtes, vous, de votre côté, vice-président de l'Université de Poitiers. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'université et aussi s'adresser aux premières et aux parents, comme l'a dit Amandine, mais les premières questions. Qu'est-ce qui peut se passer après si on va à l'Université de Poitiers, par exemple ? Merci à vous. Oui, vous m'entendez bien. Merci à vous. Alors évidemment, beaucoup de choses qui ont été dites par Amandine, je ne vais pas tout les reprendre puisque les dispositifs sont un petit peu les mêmes. Il y a quand même des petites choses qui sont un peu différentes entre Poitiers et La Rochelle. La Rochelle, c'est un petit peu plus d'étudiants, c'est 30 000 étudiants. C'est l'université installée sur 4 sites, Poitiers principalement, mais également Niort, Angoulême et Châtellerault. Et à Poitiers, pour aller un petit peu vite, comme c'est une université généraliste, il y a quasiment toutes les licences. On a effectivement 26 licences dans tous les domaines, du droit, des lettres, des sciences humaines, des sciences économiques qui sont représentées. Alors effectivement, Amandine pour La Rochelle a un petit peu assisté là-dessus, mais il ne faut pas se faire non plus de montagne de ce qu'est l'université. À l'université, effectivement, il y a des taux de réussite pour les gens, pour les étudiants, évidemment, qui passent les examens, qui est relativement élevé. Souvent, dans la presse, il y a des chiffres qui circulent pour nous tous. Mais il faut bien voir qu'à l'université, il y a une partie des étudiants qui est assez significative, qui sont inscrits à l'université, mais qui ne passent pas les examens et qu'on ne voit jamais. De toute façon, et qui s'inscrivent avant tout pour des raisons souvent d'assurance, sociale notamment. Mais quand on prend les gens qui suivent les cours, effectivement, on a des réussites qui sont 80% première année. Et effectivement, première année, Amandine a eu raison d'insister là-dessus. Ne croyez surtout pas que les étudiants sont lâchés dans la nature. C'est plus l'université des années 70, 80 et même peut-être 90. Il y a à la fois des cours en pour magistraux, notamment dans des amphithéâtres, où là, finalement, il ne faut pas non plus en faire une montagne. Ces cours magistraux, finalement, ils sont faits pour donner aux étudiants les connaissances de base sur un programme donné. Et puis, la majorité du temps, quasiment, les étudiants sont répartis dans des groupes de travaux dirigés, qui sont souvent une trentaine. C'est-à-dire, il y a peu de différences par rapport au lycée. Les cours sont organisés en semestre. Il faut aussi que vous sachiez qu'à l'université, chaque étudiant a un enseignant référent qui lui sont alloués. C'est-à-dire qu'en cas de problème, il y a un enseignant qui est là pour les guider, pour leur proposer des rendez-vous, etc. Oui, moi, je suis enseignant référent en première année. Demain, j'ai un rendez-vous avec un des étudiants qui s'inquiète pour son orientation. Il y a également, Amandine en a un petit peu parlé, il y a également des passerelles qui existent. Alors, vous voyez, sur les 26 ou 27 licences de l'Université de Poitiers, je ne vais pas vous donner toutes les passerelles, sinon on y est encore demain et je ne crois pas que les organisateurs soient ravis. Mais sachez qu'effectivement, c'est un petit peu difficile. On demande à nos lycéens, finalement, de choisir une matière dans une licence donnée. Or, souvent, ils aiment deux matières, voire plusieurs. Or, il y a possibilité, notamment à la fin du premier semestre, de se réorienter dans une autre formation. Alors, pas toutes, évidemment, sinon ça serait... c'est pas possible. Mais simplement, vous voyez, il y a des choix possibles sur deux matières, voire trois matières, et des réorientations possibles au deuxième semestre. Tant si bien qu'on n'a pas oublié... Si on veut se réorienter, on n'est pas obligé de refaire son premier semestre. Mmh. Et ça, c'est... Il me semble c'est que c'est important aussi de vous le dire. J'ai oublié de dire pour l'Université de Poitiers, parce qu'il ne faut pas que je sois trop long, puis j'espère que ça complète ce que tu as dit, surtout Amandine. Il y a également l'Université de Poitiers... des licences accès santé.
Effectivement, l'Université Fautier a fait de gros efforts ces derniers temps pour mettre en place, je dirais, ces formations. Donc, c'est pour tous ceux qui se destinent, évidemment, vers des études de la santé, de médecine, pour aller vite. Et ces études de santé, finalement, à Poitiers, sont associées avec 14 licences généralistes. 14 licences généralistes. Et donc, les étudiants qui ne réussissent pas, finalement, au concours, pour résumer, hein, pour accéder aux études de santé, eh bien, ils peuvent poursuivre sans perdre le temps dans les licences qui ont été associées à ces études de santé. Super, merci, voilà, merci beaucoup, merci beaucoup Fabrice. Hein. Exactement, merci. On va, comme et vous l'avez compris, laisser aussi la parole à tout le monde pour justement faire découvrir aux étudiants, aux élèves de première que le champ des possibles est large. Donc merci beaucoup Amandine Courtadon et merci beaucoup Fabrice Vigier. On va passer du côté de Limoges. Allez, on va faire la connexion avec Limoges. Limoges, nous allons accueillir. Voilà, on voit les Limougeaux à l'antenne. J'espère qu'on va pouvoir les entendre. Didier Leroy-Lusson, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, tout à fait, bonjour. Ouais, super, on vous entend, bonjour. C'est parfait. Olivier Auroy, bonjour. Oui, bonjour. Et Laurent Delage, bonjour. Bonjour et merci de nous accueillir. Alors, on va vous laisser la parole sur une petite dizaine de minutes, puisqu'ensuite, on terminera ce plateau ici en présentiel à Bordeaux. Donc, vous allez pouvoir nous décrire un petit peu, comme l'ont fait vos collègues de Poitiers, l'horizon des possibles du côté de Limoges. On commence par le lycée, alors, allez, peut-être. Allez-y. Donc, je suis là ce matin à la fois en représentant du lycée Gay-Lussac de Limoges, mais aussi des lycées à classe préparatoire de l'Académie de Limoges, puisque il y a aussi des classes prépa à Brive et à Tulle. Donc la classe préparatoire pour les élèves de première, c'est un horizon qui est intéressant. On se situe en première, les élèves ont déjà choisi leur spécialité, ils sont engagés dans une voie de formation qui en première leur a fait choisir trois spécialités, ils en garderont deux en terminale et à partir de la terminale, donc monsieur, ils ont monsieur déjà... Monsieur Leroy-Lusson, juste, je me permets de vous couper, est-ce que vous pouvez vous décaler un tout petit peu sur votre droite ou parler dans un autre micro, parfait, parce qu'on vous voyait complètement coupé. Voilà, c'est beaucoup mieux, on vous voit complètement, merci. Voilà. Merci beaucoup. Oui, donc les élèves de terminale qui suivent cette année deux spécialités sont actuellement en train de préparer leur orientation dans l'enseignement supérieur et pour les lycées de l'Académie de Limoges, évidemment, l'une des possibilités, c'est d'engager une classe préparatoire aux grandes écoles. Classes préparatoires qui permettent, comme leur nom l'indique, de préparer les concours d'entrée dans les grandes écoles, que ce soit des concours scientifiques pour essentiellement les écoles d'ingénieurs, l'école normale supérieure, l'école polytechnique, mais également de préparer des concours qui ouvrent l'entrée des écoles de commerce, les business schools, et des concours qui permettent d'entrer, par exemple, pour les littéraires à l'école des chartes, à l'école normale supérieure. Donc, oui, une possibilité large d'engager une classe préparatoire dans les lycées de l'Académie, puisque sur le lycée Gay-Lussac, eh bien, nous avons la totalité des classes préparatoires scientifiques, la quasi-totalité, complétée par les lycées Turgot et Limousin, et par le lycée de Montpellier et le lycée Cabanis à Brive-la-Gaillarde. Donc une classe préparatoire, c'est deux ans d'études, qui permettent donc d'approfondir les sujets dans un certain nombre de disciplines, pour les sciences, les mathématiques, la physique, la biologie, la chimie, et depuis cette année, dans l'Académie, l'ouverture d'une classe préparatoire qui est très demandée déjà. C'est une classe préparatoire qui prépare les étudiants à l'informatique. Donc, qui sur deux années, eh bien, va préparer nos élèves, nos futurs étudiants à entrer dans les écoles d'ingénieurs informatiques. Voilà. Il ne peut pas se faire tout un... Euh, tout,
trop d'angoisse sur les classes préparatoires, notamment les classes préparatoires de l'académie et de la région académique, puisque nous y accueillons des étudiants dans des classes qui sont soit de 24, soit de 48 étudiants, ça dépend des filières, avec une prise en charge, certes en lycée, mais des possibilités évidemment d'autonomie, de responsabilité qui sont bien plus larges que pour les élèves lycéens, un encadrement qui est un encadrement avec un emploi du temps de type lycée, mais avec des professeurs qui sont expérimentés, qui sont dans des conditions de lycée, qui ont la possibilité de suivre et de encadrer de manière très intime et très suivi l'ensemble des étudiants. Donc oui, la classe préparatoire est un excellent tremplin pour la poursuite d'études, c'est une excellente formation qui permet non seulement, alors pour les classes préparatoires scientifiques, quasiment, enfin même tous les étudiants de classe préparatoire continuent vers une école d'ingénieur, puisqu'il y a suffisamment de places dans les écoles d'ingénieurs pour accueillir tous les préparationnaires. Côté école de commerce, c'est exactement la même chose. Peut-être la différence avec les classes préparatoires littéraires, c'est que ces étudiants vont avoir la possibilité, après une formation très poussée, de continuer à l'université grâce aux conventions qui sont en place, qui sont d'ailleurs en renégociation cette année, qui permettent à nos étudiants de classe préparatoire d'être doublement inscrits à la fois dans leur prépa de lycée, mais aussi dans les universités de territoire, c'est-à-dire les universités de l'académie ou de la région académique. Voilà, donc c'est donc un parcours très sécurisé. On va peut-être laisser la parole aussi à M. Roy et M. Delage, parce qu'après, ils ne vont pas avoir beaucoup de temps pour parler, M. Leroy Luçon, j'en suis désolé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être M. Auroy, si vous avez, directeur du CFA académique de Limoges. Je vous laisse récupérer le micro et nous parler un petit peu de votre CFA, justement. Oui, donc le CFA académique de l'Académie de Limoges est le centre de formation d'apprentis de l'éducation nationale. C'est-à-dire que nous préparons du CAP au BTS des jeunes dans un cursus qui est un cursus d'apprentissage. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est particulièrement les BTS. Donc ce sont des diplômes qui se sont ouverts à l'apprentissage, je dirais, très récemment. Et aujourd'hui, tous les diplômes, les BTS du CFA académique, offrent un taux d'insertion professionnelle qui est absolument excellent. Juste pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, sur les 1300 apprentis de la structure, environ 1000 apprentis trouvent du travail dans les 6 mois en sortant du CFA académique. Voilà. Donc, le CFA académique, il faut bien le comprendre, c'est le seul service de l'éducation nationale qui n'existe pas sans entreprise. C'est important de le dire parce que aujourd'hui, pour être apprenti, il faut signer un contrat qui est un contrat d'apprentissage et ce contrat est signé entre 3 parties. Le jeune, premièrement, le directeur du CFA académique, moi-même, et l'entreprise. Et le jeune s'engage sur un cursus qui est un cursus de formation, dans ici notamment des BTS, qui le mène au même diplôme et qui le mène de manière un petit peu différente à un diplôme qui est exactement le même que celui obtenu en formation initiale statut scolaire. Ce que je voulais ajouter, et je pense que c'est important, il y a très longtemps, l'apprentissage était une voie qui était un peu décriée. Aujourd'hui, nous remarquons que ce sont les meilleurs élèves qui partent faire de l'apprentissage. Et à ce titre, on peut le dire, on a gagné la bataille des idées, puisque nous le voyons, le supérieur, et tout à l'heure, monsieur le directeur de l'IUT en parlera certainement, nous le voyons bien, ces parcours en apprentissage existent aujourd'hui évidemment dans les BTS et puis existent aussi dans le supérieur. Voilà. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire sur le CFA académique. Parfait, merci beaucoup Monsieur Roy. On va en passer la parole à Laurent Delage qui est directeur de l'IUT du Limousin. On vous laisse la parole Monsieur Delage. Oui. Bon, je ne vais pas parler que de l'IUT du Limousin, puisque donc l'IUT, le réseau IUT, c'est 24 spécialités. Sur la Nouvelle-Aquitaine, les 24 spécialités sont représentées avec 8 IUT. La collègue tout à l'heure de La Rochelle a parlé de BUT, de 5 BUT sur La Rochelle, mais aussi bien sûr Poitiers, Angoulême,
Bordeaux avec deux IUT et puis Bayonne et Pau avec des antennes aussi sur Périgueux. Alors l'IUT connaît une transformation assez majeure depuis cette année puisqu'on commence à mettre en place ce que l'on appelle le bachelor universitaire de technologie, donc c'est quand même une révolution assez importante du système IUT de manière double. D'abord, maintenant, on va développer un diplôme niveau grade licence, ce qui n'était donc pas le cas avec le DUT, ce qui permet de sécuriser le parcours jusqu'à Bac plus 3 pour les jeunes qui avaient tendance de toute façon de poursuivre énormément leurs études, surtout en licence professionnelle dite suspendue. Donc on va dire que ça permet de sécuriser ces parcours et puis répondre aussi, on va dire, à un schéma plus international avec donc le LMD, la mise en place du LMD dans les années 2000. L'autre évolution majeure aussi, c'est d'un point de vue pédagogique, puisque un référentiel de compétences a été construit au niveau national avec cet objectif de parler plus de compétences que de niveau purement académique. Je m'explique, pour les règles de passage, l'obtention du diplôme doit permettre aux jeunes de valider des niveaux de compétences avec généralement entre 4 et 6 compétences en fonction des spécialités de BUT. Donc sur l'IUT du Limousin plus spécifiquement, nous avons 12 BUT. 12 spécialités avec différents parcours à partir de la deuxième année. Et comme l'indiquait tout à l'heure mon collègue Monsieur Roy, avec beaucoup d'alternances qui va être développée à partir principalement du but 2, puisque on laisse le temps aux jeunes, en arrivant en but 1, déjà de comprendre les métiers auxquels la spécialité amène. Aussi, chaque spécialité, généralement, est formée de plusieurs parcours à partir du BUT 2 pour la grande majorité. Et donc, il faut laisser le temps aux jeunes déjà de s'adapter à ce milieu universitaire, puisque avant tout, ce sont des formations universitaires, et aussi de définir un petit peu son parcours professionnel, puisque là, on parle vraiment maintenant de parcours et pas uniquement de diplôme, avec beaucoup de passerelles existantes, qui vont se mettre en place petit à petit, entrantes, sortantes, avec des passerelles non pouvant permettre à certains jeunes venant de d'autres composantes de l'université, voire même de BTS, de rentrer au cours du cursus but 2 ou but 3. Et là encore, on va raisonner aussi en termes de compétences, de parcours et de projets professionnels du jeune. Et donc, il y aura une commission d'admission qui, en tenant compte des avis des collègues, des formations que les jeunes, dont les jeunes viennent, plus aussi le projet du jeune, de lui proposer donc une ouverture vers le but 2 ou le but 3 en fonction donc de tout un panel de prérequis. Donc ça, c'est vraiment un point important, donc déjà avoir à l'esprit. C'est pas quelque chose de tubulaire, c'est bien quelque chose, ce BUT, cet objet permettant donc aux jeunes de construire au fur et à mesure de leur maturité aussi leur projet professionnel. Complètement. Aussi, possibilité. Aussi une passerelle sortante, je finis juste là-dessus, avec la possibilité derrière d'aller soit dans, en effet, des écoles ou autres composantes. Même on parle de co-diplomation, pourquoi pas en but 3 avec d'autres composantes de l'université, permettant à des jeunes donc de ce fait de poursuivre vers pourquoi pas des masters. Voilà. Parfait, merci beaucoup Monsieur Delage, merci à tous les trois pour toutes ces informations. Et je me dis, si jamais vous avez des questions, on va le rappeler tout au long de la journée, parce que là on a eu beaucoup d'informations sur des parcours différents, et encore une fois, merci messieurs pour toutes ces informations. Il y a un numéro que vous pouvez composer qui s'affiche à l'écran, le 05 57 57 73 73. Vous pouvez l'appeler à tout moment de la journée, on répondra à toutes vos questions entre 19h et 20h pendant le téléphone sonne. Donc si vous avez des questions, vous avez ce numéro, vous pouvez on va potentiellement les écrire, ou si vous voulez nous appeler pendant entre 19h et 20h, vous pouvez passer aussi par téléphone sur ce plateau. Donc voilà, si vous avez des questions, appelez ce numéro. On revient sur le plateau de Bordeaux et bonjour Perrine Baumann. Bonjour. Bonjour Isabelle Blanchard. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, Perrine, responsable des admissions sciences politiques Bordeaux, est-ce que je vous laisse la parole? Est-ce que vous pouvez nous parler justement des sciences politiques sur le campus de Bordeaux? Merci en tout cas de me laisser la parole. Donc, effectivement, je suis responsable des admissions à Sciences Po Bordeaux, qui est un des 10 instituts d'études politiques de France. Donc, je vais tout de suite, rapidement faire le point sur les différentes possibilités d'intégrer Sciences Po Bordeaux. Donc, on a 3 voies d'entrée en première année sur dossier et oral. En troisième année sur des épreuves écrites et en quatrième année, épreuves écrites et épreuves orales. Alors, je ne rentre pas dans le détail des modalités parce qu'elles sont disponibles sur notre site et je vais laisser un petit peu de temps de parole quand même à Isabelle. Ensuite, je vais rapidement aussi présenter la formation de Sciences Po Bordeaux. Donc, c'est une formation qui se fait en 5 ans quand on intègre en première année et qui délivre le diplôme de l'Institut d'études politiques de Bordeaux qui est un équivalent master. On a 2 voies en fait de formation. On a ce qu'on appelle le cursus général ou filière générale et ce qu'on appelle les filières intégrées binationales. Le cursus général, c'est 3 ans de tronc commun et 2 ans de spécialisation. Et vous avez une deuxième année. Alors, les 3 ans de tronc commun, c'est plutôt des matières qui sont orientées sciences sociales, avec une importance quand même accordée aux langues vivantes. Vous avez l'anglais obligatoire et une LVB obligatoire également. Et la deuxième année est délocalisée. Pour 98% de nos étudiants, elle se fait à l'étranger, dans une de nos universités partenaires. On a un partenariat avec environ 160 universités. Vous avez un accompagnement du service des relations internationales, aussi bien financier que de l'aide pour l'obtention des visas. Donc, vous êtes parfaitement accompagné. La quatrième et la cinquième année, c'est une spécialisation en master. Là non plus, je ne rentre pas dans le détail parce qu'on a une vingtaine même de parcours possibles. Donc, forcément, si je rentre dans le détail, on va manquer de temps. Voilà, on va passer beaucoup de temps. Mais bon, c'est, bien évidemment, tout est détaillé sur notre site. Et on a aussi ce qu'on appelle les filières intégrées binationales. Donc, les filières intégrées binationales, c'est un double diplôme, Sciences Po Bordeaux et l'université partenaire. On a 6 universités partenaires, que ce soit Stuttgart, que ce soit l'Université Autonome de Madrid. Alors, je ne détaille pas non plus parce qu'il y en a 6. Et là, la scolarité se fait en alternance. Première année à Sciences Po Bordeaux, deuxième année dans l'université partenaire, troisième année Sciences Po Bordeaux, quatrième année université partenaire. Et ça vous permet d'obtenir 2 diplômes. Donc, sur les modalités d'admission première, troisième et quatrième année, donc ce qui est vraiment important de retenir, c'est que même si la première année, ça ne devait pas marcher, ce n'est pas du tout la fin du monde. Il y a une possibilité de rentrer en troisième et quatrième année. Et donc, les chances sont ouvertes. Il ne faut surtout pas hésiter à tenter et à retenter sa chance si besoin. Sur les dispositifs d'accompagnement, c'est vrai que mes collègues en ont parlé et c'est assez important pour des élèves, en l'occurrence, qui sont dans l'enseignement secondaire et qui voient l'enseignement supérieur avec un petit peu parfois un regard craintif. Il faut savoir que nous, nos cours se font effectivement, il y a une partie qui se fait en ce qu'on appelle des cours magistraux, on va dire environ 300 élèves, mais la majorité de nos cours se font en petits groupes, des petits groupes qu'on appelle des conférences de méthode de 24. Donc c'est un petit groupe et qui est consacré plutôt au travail, enfin l'apprentissage en groupe. Vous avez des dispositifs d'accompagnement aussi pour l'insertion professionnelle. Vous avez un pôle carrière et partenariat qui vous aide pour vos stages. Il y a des stages au cours de la scolarité, qu'ils soient obligatoires ou non, qui vous aident aussi pour décrocher un emploi, à la rédaction d'un CV notamment, qui accompagne également des étudiants qui auraient des projets d'entrepreneuriat. Et on a aussi, alors ça c'est une chose assez importante, une psychologue dédiée pour les étudiants en difficulté, ce qui est assez rare dans les établissements d'enseignement supérieur et qui est également là pour vous aider à construire votre projet d'orientation. Donc c'est suffisamment rare pour être mentionné. Ensuite, pour les étudiants les plus en difficulté, on a un fonds social qu'on appelle le fonds FER qui vous accompagne aussi bien pour votre période de stage que votre période de mobilité ou pour des aides d'urgence de la vie. Donc vraiment ce qui est important de dire c'est que pour tous les élèves futurs candidats qui douteraient, surtout il ne faut pas hésiter à tenter parce que vous êtes tous les bienvenus, donc n'hésitez surtout pas à tenter. Qu'ils étaient accompagnés. Et c'est très bien parce que ça répond hier soir. On avait une question dans le téléphone. Exactement. Comment rejoindre Sciences Po Bordeaux? Je crois que vous y avez clairement répondu. Merci beaucoup. Isabelle Blanchard. Bonjour. Rebonjour. Directrice adjointe. Alors, il faut nous expliquer aussi le sigle au cas où. LEGTA, Bordeaux-Blanquefort. Lycée d'enseignement général et technologique de Blanquefort. Parfait. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Et comment on peut potentiellement. Quelle est la suite?
pour les premières qui nous regardent et qui nous écoutent. Alors, dans l'enseignement agricole, vous avez plusieurs solutions post-bac. Vous avez tout d'abord des BTS niveau bac plus 2 dans différents domaines qui sont tous en lien avec la nature, l'environnement, l'aménagement, la forêt, mais bien sûr aussi avec notre cœur de métier, l'agriculture, hein, ne l'oublions pas. Donc, nous avons des BTS production animale. Donc, nous allons travailler sur l'élevage, sur la gestion également d'une entreprise agricole, un BTS AXE, mais dans divers secteurs, vous allez pouvoir trouver l'orientation qui vous convient. On a aussi du commerce, des technico-commerciaux qui peuvent allier à la fois une partie technique, je pense par exemple au technico-commercial vin, bière et spiritueux, donc ils vont découvrir tous ces aspects-là, mais ils vont aussi apprendre la partie négociation client sous la forme de jeu de rôle. Ce qui est important de retenir dans les BTS, c'est que vous avez aussi des stages en entreprise. Donc, qui dit BTS dit 12 à 16 semaines de stage en entreprise. Ces stages sont importants pour les étudiants. Ils peuvent être réalisés en France ou à l'étranger. Ça, c'est très important. Alors, c'est surtout important pour les jeunes qui veulent ensuite poursuivre des études, en particulier après le BTS, et qui souhaiteraient s'orienter vers des métiers comme vétérinaire ou ingénieur agronome, par exemple. Il faut savoir que c'est possible, après un BTS, après tous les BTS de l'enseignement agricole, de préparer le concours de la voie C. Voilà, c'est un concours qui est réservé à ces BTS. Il faut savoir que nous manquons de vétérinaires pour le monde rural. Donc, je fais un appel à tous les passionnés d'animaux. Nous avons besoin de vétérinaires pour nos campagnes, ouais, pour nos élevages. Et sachez qu'après un BTS de l'enseignement agricole, vous pouvez passer en concours. Alors, ce concours, aujourd'hui, c'est une classe préparatoire, une CPGE, qui s'appelle Adaptation Technicien Supérieur Biologie. L'objectif, aujourd'hui, c'est vraiment du concours, c'est vraiment une culture académique. Et surtout, ce qui fait la différence entre les étudiants, c'est l'anglais. Okay. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous encourage en BTS à aller faire des stages dans les pays anglophones ou en tous les cas à l'étranger, vous serez obligé de parler anglais. Ça, c'est une nécessité. Alors, il faut savoir que on rentre en classe prépa aujourd'hui après ce BTS. Hein, c'est une procédure spécifique. Mais ce concours va évoluer. Et pour nos élèves de première qui nous écoutent, ils auront la chance de pouvoir passer ce concours dès leur deuxième année de BTS. Donc c'est un petit plus. Alors, comme c'est en construction, on n'a pas toutes les modalités, mais on peut imaginer qu'il y aura toujours de l'anglais. Hein, ça, c'est important, ça fait vraiment la différence entre les étudiants. Bien sûr, des résultats académiques, de la culture générale et également le projet de l'élève. Il est important que les étudiants qui souhaitent rentrer en classe préparatoire ou pour se diriger vers ces études-là de vétérinaire ou d'ingénieur agronome aient une connaissance du métier. Donc, c'est important d'aller faire des stages. Vous êtes en première, hein, vous pouvez faire des stages d'observation chez les vétérinaires. Vous pouvez faire des stages d'observation dans des exploitations, hein, si vous voulez être ingénieur agronome. Ça se construit. Votre parcours se construit tout au long de vos études et dès le lycée, j'ai envie de dire. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Il faut savoir que grâce au soutien de l'État, de la région Nouvelle-Aquitaine, nous accompagnons les élèves vers la réussite au concours parce qu'il existe déjà un concours d'ingénieur par la voie de l'apprentissage qui se passe dès la deuxième année de BTS et nous avons mis en place ce que nous appelons nous une préformation alors d'ingénieur par la voie d'apprentissage où nous accompagnons les étudiants par une formation ouverte à distance donc ils ont la possibilité en même temps que la deuxième année de suivre ces cours avec 5 regroupements sur le site de Blanquefort pour avoir de la remédiation et on est très heureux de cette formule là parce que 100% des élèves réussissent ces concours là grâce à ce parcours là donc c'est un vrai accompagnement qui leur est permis pour aller
aller vers ce parcours de réussite, donc ingénieur agronome par la voie de l'apprentissage. Mmh. Nous avons décliné cette formule qui fonctionne bien cette année pour les ATS bio. Hein. On a mis en place une préformation ATS bio où c'est une mise à niveau et qui se transformera avec l'évolution du concours en une préparation à ce concours d'ingénieur et de vétérinaire. Alors, toutes les formations dont j'ai parlé en BTS, il faut savoir qu'elles se déroulent également soit par la voie de l'apprentissage, soit en formation initiale. Voilà, ça dépend du profil du jeune, ça c'est important de savoir, voilà, je suis plus scolaire, donc je vais aller vers la formation initiale, ou alors j'ai besoin de découvrir le monde de l'entreprise, je vais aller vers l'apprentissage. Il faut vraiment que les jeunes se positionnent. Il y a de la place pour tout le monde et on a besoin de jeunes motivés pour travailler dans ces métiers en lien avec la nature, l'environnement, les animaux. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il existe des licences professionnelles. Il ne faut pas les oublier. Ces licences professionnelles après un BTS qui permet aussi aux jeunes de, voilà, d'avoir un niveau Bac plus 3 et dans chacun des domaines où il y a un BTS, il y a une licence professionnelle. Alors tout ça c'est possible grâce au partenariat hein, avec le monde des entreprises, avec vous bien sûr, le conseil régional, et aussi avec les grandes écoles hein, on travaille en partenariat avec Bordeaux Sciences Agro sur Bordeaux, hein, sur la Nouvelle-Aquitaine. Ça permet aux jeunes d'avoir un regard, un autre regard, parce que nous avons des jeunes ambassadeurs qui viennent voir nos jeunes BTS pour les amener vers ces formations. Moi, je me félicite de ces initiatives telles que le printemps de l'orientation et de ces jeunes témoins, oui, ambassadeurs, qui nous permettent de motiver, de faire découvrir toutes ces voies. Alors, il faut aussi rajouter que nous allons vers la semestre réalisation dans tous nos BTS, enfin, en tous les cas, dans la plupart de nos BTS, dans l'enseignement agricole, voilà. Donc, qui dit semestre réalisation, hein, c'est un peu le modèle de l'université, hein, avec 3 unités par semestre, et ça nous permet de construire le parcours, ça permet de rassurer le jeune, de rassurer sa famille, et voilà, d'avoir une vie plus agréable, parce qu'il n'y a pas l'échéance de la deuxième année. Ça, ouais, se construit au fur et à mesure. Et donc ça, c'est quand même des atouts. Et tout est rattrapable. Et effectivement, il y a des sessions 2. Tout est rattrapable. Il y a aussi des passerelles. Hein. Si je me rends compte que cette formation ne me convient pas, eh bien, je peux basculer sur d'autres formations. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que nous accompagnons les étudiants vers des parcours de réussite et ça marche. Un étudiant motivé, un étudiant bien accompagné, c'est un étudiant qui réussit et qui s'épanouit. Et c'est ce que nous recherchons et ce dont nous sommes fiers dans l'enseignement agricole. On va évidemment encourager les étudiants, mais également les parents d'étudiants qui se posent des questions sur l'orientation de leurs enfants à visiter vos sites internet respectifs. Vous trouverez toutes les informations, notamment ces fameuses journées portes ouvertes, les JPO, qui sont assez importantes pour se faire des bonnes idées du futur qui nous attend. Tout en sachant, on le rappelle depuis hier, que rien n'est définitif, rien n'est inscrit dans le marbre, ce n'est que le début de leur vie professionnelle à ces étudiants. Et donc les équipes pédagogiques sont là justement non seulement pour les accueillir, mais peut-être aussi pour les aider à bifurquer de voie. Tout à fait. Et nous avons aussi des comptes Instagram. Le réseau de l'enseignement agricole a un compte Instagram. Le lycée agricole de Blanquefort a un compte Instagram. Et l'avantage, c'est que c'est très court. Et ça permet aux jeunes d'avoir une idée à un moment type de ce qui se passe dans les lycées agricoles. Sachant qu'il y a beaucoup de sorties pédagogiques, beaucoup de travaux qui sont réalisés avec le monde de l'entreprise. On travaille vraiment de concert avec le monde dans l'entreprise pour former au mieux ces jeunes pour le monde de l'entreprise. C'est parfait. C'est la fin de cette table ronde sur les études supérieures. On est un petit peu débordé, mais la régie nous l'a permis, puis c'était intéressant, donc on n'a pas perdu notre temps. On va se retrouver à 12h15 maintenant pour un nouvel atelier, voilà, qui s'intitule « Il vous accompagne près de chez vous ».
Eh ben, on rappelle peut-être le numéro quand même, parce qu'on ne rappelle jamais assez ce numéro. Justement, là-dessus, on a parlé de beaucoup de choses sur cette séquence. Numéro de téléphone, vous l'avez affiché à l'écran, 05 57 deux fois, 73 deux fois. Vous pouvez appeler dès maintenant. Vous posez votre question. La question, on vous proposera éventuellement de venir nous la poser en direct ce soir si vous ne vous sentez pas trop à l'aise pour venir converser avec nous par téléphone sur le plateau. Tout simplement, on lira votre question et vous aurez la réponse apportée. Je me souviens également qu'hier, on a eu une question très technique sur une particularité et aujourd'hui, on a mis en relation la personne qui a posé la question avec la bonne personne qu'elle n'arrivait pas à trouver parce qu'on est quand même très nombreux ici dans l'hôtel de région Nouvelle-Aquitaine. On reçoit des invités, mais on a également des invités qui arrivent accompagnés et donc on a, entre guillemets, je dirais pas mal de ressources humaines. Exactement. Pour vraiment vous aider à, alors pas bien vous orienter parce que ça c'est votre choix personnel, mais à surtout casser ce mythe que vous jouez presque votre vie à 16-17 ans alors qu'en fait c'est vraiment que le début et que avoir un métier c'est bien, mais être heureux dans ce qu'on fait c'est quand même beaucoup important. Mieux. Oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Midi et demi pour… Midi 15 pour notre prochain rendez-vous en direct depuis l'hôtel de région de la Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Merci Isabelle.